Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je voudrais revenir sur l'année 2019, riche en émotions pour notre canton. Et oui, le 24 et 25 août dernier, nous avons organisé la fête de l'agriculture à Missiac. Pendant un an, nous nous sommes réunis dans la bonne humeur et la convivialité, afin d'organiser ce très bel événement qui nous a tenu à cœur. La fête de l'agriculture, c'est une semaine de préparation intense. De 50 à 80 personnes à manger tous les midis, une météo extraordinaire, aucun accroc entre nous, des soirées qui ne finissent pas de bonne heure, mais où les nerfs retombent et où il fait bon vivre chez Guy et Corinne. La fête de l'agriculture, c'est aussi 20 000 personnes, 780 repas le samedi soir, un feu d'artifice magnifique et au goût du canton. 1250 burgers le dimanche midi, environ 160 fûts de bière avalés, des chauffeurs de tracteurs tondeuses et de moisses bas de crosse exemplaires, des partenaires présents qui nous ont fait confiance, des bénévoles départementaux motivés tout le week-end, et pour finir, un comité fête exceptionnel et responsable, qui fait dire à votre président encore merci, car pour ma dernière chez GIA, je me suis régalé. Je souhaite aussi dire à Valentin, notre jeune GIA et président de la fête 2020, une bonne année de préparation, car c'est une très belle expérience. Pour continuer, je veux vous parler d'un sujet cantonal qui nous tient à cœur. C'est l'engagement. Voilà que depuis 20 ans, notre canton vit syndicalement grâce à l'engagement de nos adhérents et grâce à une grande complicité entre GIA et FNSEA. Pour nous, en 20 ans, c'est tout de même 4 fêtes de l'agriculture. Des concours de labour toujours rythmés avec nos repas et nos animations diverses. Depuis quelques années, nous étions les premiers à organiser les courses de tracteurs tondeuses grâce à des jeunes passionnés et engagés aussi. Il y a aussi le vélo du Tour de France. Le 4 juillet 2011, où la Loire Atlantique sortait du lot grâce à nous, grâce à des adhérents engagés et passionnés. C'est aussi de grandes victoires qui nous ont marqués comme en 2007, où notre président de canton devient président de la FNSEA 44. Il n'y a pas à dire, la victoire, ça booste la motivation de l'engagement. À ce sujet, et au nom de tous les adhérents du canton, on voulait te dire merci Alain, pour ton engagement. Même si parfois nous n'étions pas toujours d'accord, mais nous te disons merci pour les infos que tu as toujours fait parvenir d'en haut, et pour la motivation que tu as toujours su faire passer. Te voilà aujourd'hui dans de nouvelles responsabilités, la preuve que l'engagement est un gage de confiance. L'engagement pour notre canton, c'est aussi pour ma part la présidence des GIA que je tiens depuis 8 ans. C'était une grande responsabilité à l'époque et aussi une grande fierté de m'engager à la suite de Jocelyn. Mais voilà que la fin des GIA a sonné pour moi, car les 35 ans sont passés. Pour ma plus grande tristesse, la relève ne sera pas assurée. Faute de personnes qui ne veulent pas s'engager, car comme certains nous le disent, j'ai pas le temps, moi j'ai du boulot. Ou tu n'as qu'à le faire, toi, t'as le temps. Et là, j'ai juste envie de vous dire, engagez-vous les jeunes, bordel. Prenez le temps de penser à votre avenir. Sachez que si nous ne le faisons pas, d'autres le feront à notre place. Et là, il sera trop tard. Rappelez-vous, le 6 février dernier, on a vu le résultat suite au manque d'engouement et d'engagement de certains. C'est vrai, comme on se le dit avec mes associés et avec Alain, si on ne s'était pas engagé dans nos fermes, nos fermes seraient certainement plus propres et on serait à jour dans notre boulot. Mais le problème, c'est que l'on n'aurait pas connu autant de personnes et que ça ne nous aurait pas donné autant d'ouverture d'esprit. Voilà pour ma petite pensée sur l'engagement. Il faut que cela reste une fierté et non une obligation. Un grand merci à nos présidents départementaux, à nos bureaux, à nos conseils d'administration pour leur prise de responsabilité. Et pour la dernière fois, vive l'engagement, vive l'agriculture et vive GIA 44. Merci. Bravo.